Bonjour Patrick Marie pour Radio Biarritz. Nous sommes dimanche 5 juin 2022. Je suis toujours en train de suivre le marathon, le premier marathon de Biarritz. Là, je suis au ravitaillement du phare devant le Regina. Ben voilà, on attend les premiers marathoniens. Je vais aller me diriger vers les stands pour prendre la température. Merci, à tout de suite. Bon, alors, Biarritz, sauvetage côtier déjà, en renfort. Bon, voilà, ça... Bonjour. Bonjour. Biarritz, sauvetage côtier. Il va y avoir des noyés ce soir Non, ça se découvre cet après-midi, ça doit être... Là, vous êtes en renfort, calme. En renfort secouriste. Voilà. Ouais, ben c'est super, hein. Là, j'ai vu, il y a du monde hein, en secours hein, pour cette épreuve. 70, je crois, à peu près. 70 secours. 70 oui. Vous voulez dire un mot sur votre organisation, un petit peu? L'organisation, je vais vous passer le chef. Ben voilà. En profiter qu'il n'y ait encore personne. Quentin, ne cache pas. Non, mais moi, je peux pas parler. L'apéro était dur hier soir. Juste un petit mot sur l'organisation. Ah, c'est pareil, moi qu'il faut voir. Alors à qui Il faut voir avec le PC directement. Oh là là, mais on est entre nous, hein, on est entre Biarro. Hein. Bon. Justement, on est pas Biarro. Ah, ben alors, qu'est-ce que vous faites là? C'est le marathon de Biarritz. On est de Pau. De Pau? Oui. Ah, vous êtes timide, vous êtes plus timide que les Mayonnais. Mais c'est pas possible. On ne fait pas partie du dispositif. Ah, d'accord, ok. Maître. Donc vous venez de Pau, mais c'est déjà pas mal. Hein. Vous pouvez me raconter, j'aime bien Pau, moi. C'est le Berne, toujours. Ouais, je vois que le chef est timide. Pourtant, les Palois, ils n'ont pas la réputation d'être timides. J'ai connu des rugbymen. Qui en racontait pas quand même. Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser. Hein. Bah, allez, allez-y, si je vous mets 3, 4. Ben voilà, juste, je voulais savoir, ben, parce que déjà, par rapport à l'équipe, comment vous avez fait des réunions, comment vous êtes organisé? En fait, au niveau organisation, on va pas pouvoir vous répondre, il faut voir directement avec le chef de dispo. Et de votre point de vue, comment vous avez vécu ça? Vous êtes arrivé aujourd'hui, c'est tout? Nous, en renfort, ça se passe très bien, quoi, voilà. Mais voilà. C'est vrai, comme dit Quentin, il y a l'organisation principale et on va pas... Oui, mais ça tout le monde va aller voir. Moi, je regarde un peu ce qui se passe au niveau du terrain, c'est ça qui m'intéresse. Au niveau du terrain, on a des consignes, on se met en place et puis ben voilà. On attend qu'il y ait un événement, une pseudo-victime, une victime. Et comment vous avez préparé tout ça? Ça s'est préparé longtemps à l'avance? Ah oui, c'est préparé longtemps à l'avance. Bien sûr, c'est des organisations comme ça, oui, c'est l'affaire de plusieurs mois quoi, de préparation. Mais voilà, nous, on est simplement, on nous donne les consignes au dernier moment, puis on vient renforcer. D'accord, on vous dit tel point, consigne, voilà, d'accord. On n'a pas de détails sur vraiment les mises en place, etc. Nous, c'est simple, hein, on vient de Pau, on nous dit vous vous mettez à tel point, et puis on a des consignes de base, mais voilà. C'est avec votre matériel? Exact, ouais, le matériel. Un matériel particulier pour les courses ou à pied ou du pas tout. Non. C'est du secours pour nous, ça ne change rien. Ça change rien. Ah, parce que l'objectif principal, c'est la course et les épreuves. Mmh. Imaginez par exemple que là, il y a un d'entre nous qui se fasse renverser. Ouais. On va devoir intervenir de toute façon en tant que secouriste, vous voyez. Rien de particulier. Donc, il peut y avoir des interventions qui ne sont pas liées directement... De l'hypothermie à la blessure... Exactement, de la course. Voilà. Bon, mais écoutez, merci. Et on est là principalement pour la course. Mais bonjour aux Palois. Merci. Avec un camion 03. Oui. Non, mais ça, c'est un camion de près. C'est le camion de l'organisation. Bon, en tout cas, il est beau, il y a des beaux autocollants. Voilà. Bon, il y a surtout du matériel. Ah ouais, mais c'est important. Voilà. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Bon, ben, c'était les secouristes de Pau qui sont venus en renfort. Bon, les Palois timides, mais on le savait déjà. Hein.